nom du régent! Vous n'avez pas vu un homme qui courait à perdre haleine? Il y a une forte récompense pour qui nous aidera. Mes excuses, l'ami, ça n'est qu'un emprunt. Avec plaisir, Cartouche. Un grand brin. Non, capitaine! Le bonjour, messieurs! M'a-t-il bien pu passer? Cartouche? Pour vous servir, madame. Un jour, mon cœur n'y résistera pas. Vous êtes incorrigible. Si seulement votre cœur pouvait être si fragile. N'essayez pas de changer de sujet, voulez-vous? Vous êtes en retard. Et l'exactitude est la politesse des rois. Oh, pardonnez-moi. Le peuple de Paris ne m'a fait que prince des faubourgs. C'est déjà bien pour un bandit. Un bandit? Moi? Un bandit, c'est le nom que vous m'avez donné à notre première rencontre. C'est vrai, je vous ai traité de bandit. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. À cette époque, je le pensais vraiment. Je venais d'arriver à Paris avec Henriette. C'était notre première visite et tout nous émerveillait. Les soldats du guet, ils sont à la recherche de Cartouche. Cartouche? Le voleur? Vous entendez, mademoiselle? Les soldats du... Il est là! Vive Cartouche! Vive Cartouche! Attention, les soldats! Voici donc le fameux Cartouche. Eh bien, quelle audace! Pfff, quelle impertinence! Quel panache! Et les beaux garçons? Henriette, c'est un hors-la-loi, un brigand sans scrupules. On dit qu'il ne garde rien de ce qu'il vole, qu'il redistribue tout aux plus démunis. Oui, je connais la légende de ce Cartouche. Et comme toutes les légendes, je pense qu'elle est très loin de la réalité. Ah, emparez-vous du vide! Aidez-moi, vous autres! Dépêchez-vous, bande d'incapables! Mais attrapez les enfants! Arrêtez au nom du régent! Je vous souhaite la bienvenue à la cour, ma nièce. Il est bon que vous ayez quitté la province après la disparition de votre père. Vous avoir auprès de moi est un réconfort. Je vous remercie, mon oncle. À travers vous, je retrouve mon cher frère. Désormais, vous serez la fille que je n'ai jamais eue. Non, votre Excellence! Votre Excellence, il y a eu... Oui, je sais. Un sot coiffé d'un sot m'a fait le récit de vos exploits, de machot. D'ailleurs, ce n'est pas ça, votre Excellence. Une nouvelle agression a eu lieu cette nuit dans le quartier Montorgueil. Encore? Je suis navré, je vous prie de m'excuser, Isabelle. Et qui sont les victimes, cette fois? Le baron de Montalembert et le duc de Chamfleury. Ils ont été rossés et détroussés. C'est encore ce Cartouche, toujours ce Cartouche! Sauf votre respect, votre Excellence, j'ai un doute. Voyez-vous, les agresseurs sont toujours masqués et ont recours à la violence, ce qui ne ressemble pas au style de Cartouche. Et qui d'autre oserait s'en prendre à la plus haute noblesse de France? Non, de machot, des mesures vigoureuses s'imposent. Le quartier Montorgueil est devenu un véritable nid de criminels. Il faut le raser. Je convoque le conseil des ministres pour demain. Aussitôt que nous aurons leur approbation, vous évacuerez les habitants, par la force si nécessaire. Avec votre permission, mon oncle, j'oserais bien une remarque. J'ai entendu parler de ce Cartouche, je l'ai même aperçu ce matin même. Aucun doute, il s'agit bien d'un criminel, mais si vaniteux que j'ai du mal à croire qu'il se priverait d'agir à visage découvert. Je désire dire quelques mots à ma nièce, en privé. Comprenez-moi bien, Isabelle, j'ai en charge l'intérêt du royaume. Vous ne savez rien des affaires de l'État et vous ne connaissez pas plus ce bandit de Cartouche. Je ne vous blâme pas. Je reconnais en vous toute la noblesse de votre père. Un idéaliste, épris de justice, mais incapable de comprendre les subtilités de la politique. À l'avenir, je vous prie de garder vos réflexions pour vous. «
Vos hommes ont eu la main beaucoup trop lourde, Falconi. Mieux vaudrait éviter de malmener les héritiers des plus grandes familles de France. Ils auront tout simplement voulu trop bien faire, Votre Excellence. Cela ne se reproduira pas. Aucun doute, on s'est bien battu dans cette ruelle. Mais ces traces sont trop anciennes pour nous apprendre grand-chose. Le Lorrain, 9 agressions en moins de 3 semaines et des blessés. Et le régent qui essaie de nous en rendre responsables. Je sais, je n'aime pas ça, moi non plus. Mais tant que nous n'en saurons pas davantage, il nous faudrait un coup de chance, un mille... Oh, il suffisait de demander. Bon argent, au voleur. Ça va, vous n'avez rien? Non. Par où se sont-ils enfuis? Vers la Seine. Vite, vite. Ils ont pris mon argent. Attends. Suivons-les. En silence. Le palais royal, je parierais qu'il y a du Falconi là-dedans. Et c'est le régent qui tire les ficelles. Mais je me demande pourquoi. Pour te discréditer? Personne ne te croit coupable. Pour l'argent alors, mais ça ne tient pas debout non plus. Le régent n'a pas besoin de ça. Il faudrait mener l'enquête. On rejoint les autres, on met un plan au point, on revient, on s'introduit dans le palais. Tu es d'accord? Cartouche! Oh non! Attends-moi! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se construit un radeau avec des branches d'arbres? Oh. Heureusement qu'on a pied, je nage comme une enclume. Dis-moi une chose, Cartouche. Pourquoi n'entrons-nous jamais par l'entrée principale, comme tout le monde? Hein? Si la clé du mystère doit être quelque part, c'est ici qu'on la trouvera. Où allons-nous? Au bureau du régent. Le bureau du régent, rien que ça. Dans ce cas, je passe devant. C'est moi l'aristocrate de la banque, tu te souviens? Je suis déjà venu ici. Il y a déjà bien longtemps. Pas, tu t'es pas trompé, tu passais exprès par les cuisines. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher? Tous ces couloirs se ressemblent. Et ce n'est pas ma faute, ils ont déplacé les cuisines depuis la dernière fois où je suis venu. Tu en veux une? Elles sont délicieuses. Oh. Qui se promène à cette heure dans le palais? Oh. Ah, nous y voilà, Philippe II, duc d'Orléans. Plus l'âme d'un homme est petite, plus grand est son portrait. J'ai trouvé! Le régent va demander la destruction du quartier Montorgueil au prochain conseil des ministres. Jamais je n'aurais pensé qu'il serait si facile de surprendre le prince des voleurs. Que faites-vous ici, Cartouche? Les vols de Montorgueil ne vous suffisent plus? Si le régent vous confie la direction de la police du royaume, je serai ravi de me constituer prisonnier. Ce n'est pas du tout mon genre de détrousser les passants. Je mène ma propre enquête et j'ai la ferme intention de démasquer le vrai coupable. Par exemple, et vos soupçons portent sur... Le régent en personne. Comment osez-vous? Un vulgaire hors-la-loi accuser le duc d'Orléans d'une pareille infamie? Sachez, monsieur, que l'homme que vous accusez n'est pas seulement le régent, il est aussi mon oncle, et je ne doute pas un seul instant de son honneur. Tout ce que prouve ce papier, c'est qu'il va faire son devoir, tout simplement, et nettoyer Paris d'un repère de criminels. Des criminels dans mon genre? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Justement, madame, si vous voulez avoir vos propres opinions, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que dit votre oncle. Que savez-vous des petites gens de Paris, à part ce qu'on en dit à la cour? Rien du tout. Avant de juger, vous devriez prendre la peine de découvrir par vous-même. C'est un défi ou une invitation? Sachez que je suis prête à relever le premier comme à accepter la deuxième. Non, vous êtes sérieuse? Plus que vous ne le croyez. On m'a parlé d'un petit parc paisible près de la rue Saint-Martin.
Je vous y donne rendez-vous demain matin à 11h. Vous n'avez pas peur? Je pourrais vous enlever et demander une rançon. Je pourrais vous faire pendre. Mais peut-être est-ce vous, le grand Cartouche, qui avez peur? Quand j'y pense, c'est elle qui t'a donné rendez-vous. Bravo, tu sais parler aux femmes. Mademoiselle, j'étais inquiète. Tu ne devineras jamais qui je viens de voir. Cartouche. Ici? Au palais? Que voulait-il? Je t'en dirai plus demain. Vous étiez là, assis sur un banc, exact au rendez-vous, malgré mon horrible réputation. Je voulais me faire ma propre opinion à votre sujet. Madame. Je vous ai fait peur. Disons, juste un petit peu surprise. À ma place, vous l'auriez été également, non? Moi, je ne me lasse pas d'être surpris par votre tempérament, madame. Justement, vous ne croyez pas si bien dire, Cartouche. Si je découvrais que vous vous êtes joué de moi, vous pourriez être surpris de vous retrouver au bout d'une corde. Venez, je vous emmène à Montorgueil. Mon Dieu, ces maisons en ruine, ces façades décrépites. Pas partout. Certaines rues sont même agréables. C'est vrai? Les apparences sont parfois trompeuses. Vous ne risquez rien, rassurez-vous. C'est vous qui le dites. J'admets que le quartier est loin d'être aussi sordide qu'on me l'avait dépeint. Mais pourquoi y a-t-il si peu de monde dans les rues? Les gens ont peur de la police de votre oncle qui n'hésite pas à les arrêter sans raison. Salut, Cartouche! Salut, Freluquet. Mais ce ne sont que des enfants. Eh oui, je vous présente Freluquet, une vraie terreur. À la cour, on en parlerait comme le chef d'une redoutable bande de coupeurs de gorge. On se découvre devant les dames. Voici Isabelle d'Entraigues, une amie. Je suis enchantée de vous connaître, mademoiselle. Soyez la bienvenue dans notre quartier. Et excusez-moi si je rougis, mais j'avais jamais vu une vraie princesse. Et quant à moi, je n'avais jamais vu un petit prince si courtois. Je n'ai jamais oublié cette magnifique journée. Vous m'avez montré le vrai visage de Paris. Et voilà la suite! Sans vous, je n'en aurais jamais rien su. Bon appétit, mademoiselle. Merci, Freluquet. Bon appétit, les enfants. Cartouche, merci de m'avoir ouvert les yeux. Chut, restez en arrière. Personne n'a détroussé aujourd'hui. C'est moi que vous cherchez, messieurs. À qui le tour? Vous tombez bien, hein? J'avais peur de m'ennuyer. Oh! Décarpissez, vous deux, je m'occupe de lui. Qui d'autre, Cartouche? Je n'avais pas prévu d'en finir avec toi aujourd'hui, mais il y a des occasions à ne pas laisser passer. C'est... Falconi, le bras droit de votre oncle. Vous me croyez maintenant? Venez, allons-nous-en. Messieurs, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Il est donc inutile de perdre du temps. Je demande votre aval pour évacuer et raser au plus vite le quartier Montorgueil. La seule question qui se pose, votre excellence, c'est que mettre en lieu et place du quartier. On ne va pas laisser une sorte de trou en plein centre de Paris. Vous avez raison, j'ai pensé à une solution. Messieurs, je suis fier de vous présenter le nouveau visage du quartier Montorgueil. Un projet que j'ai conçu avec la collaboration des meilleurs architectes d'Europe. D'ici quelques mois, il se dressera en plein cœur de Paris pour la plus grande gloire de la France. Votre Excellence, tout ceci est très impressionnant, mais en l'état actuel des finances publiques, une telle réalisation... Je n'entends pas puiser dans les caisses de l'État, comme l'ont fait certains de mes prédécesseurs. Ce splendide palais, messieurs, j'en fais don à la France, et il sera bâti entièrement sur ma fortune personnelle. Dans ce cas... Oh, ce sont pieux. Quel prestige! Viens, j'en ai assez entendu. Je ne peux pas le croire. Mon oncle chassant de pauvres enfants du seul logis qu'il leur reste, dans le seul but d'élever un monument à sa gloire. Sa fortune personnelle est loin d'être suffisante pour financer ce projet pharaonique. Il possède certainement des fonds secrets. Auxquels il faut ajouter le fruit des vols de Montorgueil. Dans une faible proportion.
Mais oui, bien sûr. Cet argent, il faut bien qu'il le cache quelque part. Henriette, grâce à toi, nous allons trouver ce trésor caché et mettre mon oncle en échec. Mon Dieu, mademoiselle, vous n'allez pas... Oh que si, je vais le faire. Et pour cela, je vais avoir besoin de ton aide et de celle de Cartouche. Félicitations, excellent travail. Je vais mettre ceci en sécurité. Vous pouvez disposer. Bonne nuit, messieurs. Téméraire. C'est pourquoi j'ai envoyé Henriette à votre recherche. Fais vite. C'est ce qui a conduit à notre second rendez-vous. Ne traîne pas en chemin, mademoiselle, compte sur toi. Vous aviez compris qu'un crime se tramait sur les ordres de votre oncle. Un crime contre le peuple et contre sa propre famille. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je devais agir. En prenant de grands risques. Pour l'honneur de mon nom, la mémoire de mon père. Noblesse oblige. C'est de la folie. Mes compagnons pensaient que c'était trop risqué. C'est insensé. Mais comment aurais-je pu ne pas vous prêter main forte? Dites-moi la vérité, Cartouche. Doutiez-vous de moi? De vous, Isabelle? Non, à aucun moment. De ma raison, peut-être. Mais de vous, non, jamais. Pas un instant. J'ai besoin de vos conseils pour une robe de bal. Que préférez-vous, le rose pâle ou cette nuance de bleu? Je me rends à mon bureau pour une affaire urgente. Oh, dans ce cas, permettez-moi de me joindre à vous. Ce lieu austère a sans doute besoin d'une petite touche de présence féminine. J'ai déjà 4 robes dans les tons bleus. Je pensais échanger pour un orange ou un rose pâle. Si vous permettez, j'ai quelques papiers à classer. Faites donc, cher ami, je vous en prie. Comme je vous disais, le orange est bien plus original que le bleu. Ce n'est pas cette combinaison non plus. Décidément, je ne peux pas entrer dans ce palais sans être obligé de me mouiller. Oh, mais regardez plutôt, cette magnifique soie de Chine n'est pas non plus sans intérêt. Je ne sais plus que choisir. Avouez tous ces cornéliens, ma femme de chambre ne jure que par le bleu. J'en suis désolé. Je ne sais que quoi répondre. Je me fie généralement au conseil de mon tailleur. Merci, Falconi. Mais je vois bien que j'abuse de votre temps. Je vous empêche de travailler. Je ne voudrais pas que des affaires de chiffon viennent prendre le pas sur les intérêts de la France. Je vous souhaite le bonsoir. Vous avez là un très beau poisson. Ensuite, tout est allé très vite. Et dans le bon sens, grâce au ciel. Le lendemain matin, mon oncle s'est rendu au quartier Montorgueil, accompagné de tous ses ministres, pour assister à l'évacuation du quartier. Et bien sûr, j'avais demandé à l'accompagner. J'avais remis le contenu de la cassette secrète à Freluquet. Le quartier allait être entièrement remis à neuf. À
notre bienfaiteur. Officiellement, mon oncle était ce bienfaiteur. Il avait accompli ce miracle grâce au don de sa fortune personnelle. J'espère qu'il a apprécié mon petit mot de remerciement. Je n'oublierai jamais la tête qu'il faisait quand il a fallu qu'il vienne au banquet donné en son honneur pour fêter la fin des travaux de rénovation. Depuis, je n'ai cessé de vous aider de mon mieux. Car les qualités de noblesse que j'avais tant espéré trouver chez mon oncle, je compris dès le premier jour que vous les portiez en vous. Moi aussi, j'ai appris à vos côtés, Isabelle. Le peuple de France mériterait de vous avoir pour reine. En attendant, Paris a déjà son prince.